Citoyens de la RDC, relatif à la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Nous, activistes, défenseurs de droits humains, militants de mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, avons mobilisé la population de la République démocratique du Congo contre la visite que nous qualifions d'hypocrite du président français Emmanuel Macron sur notre territoire en raison de sa tournée diplomatique en Afrique. Vu le nombre de morts à plus de 10 millions, faute d'une guerre qui est imposée à la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies, vu l'évidence que le Rwanda soutenu militairement par le français est le principal antagoniste de l'agression que connaît la République démocratique du Congo par le fait de soutenir en effectif et en armes le groupe terroriste M23 qui a lancé les hostilités depuis la fin de l'année 2021. Vu le nombre et la pertinence des rapports des Nations Unies pointant le Rwanda comme pays qui alimente les atrocités dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, vu la position incohérente et hypocrite de la France, qui d'un côté condamne l'agression de la RDC et de l'autre côté soutient le Rwanda en faisant de lui un sous-traitant pour garantir les intérêts de la France via ses sociétés multinationales œuvrant dans le secteur gazier, pétrolier, minier, etc. Une preuve que la France ne privilégie que ses intérêts économiques. Et cela au détriment de vies humaines touchées par cette guerre d'agression qu'elle finance indirectement. Convaincu que la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique en général et en RDC en particulier ne s'inscrit que dans l'objet de tenter de reconquérir l'influence de la France en Afrique. Au regard du sentiment anti-français qui souffle actuellement en Afrique, exigeons à la France de, premièrement, mettre fin au massacre de nos populations à l'est du pays via le Rwanda par le M23. Deuxièmement, demander publiquement pardon à la population congolaise, victime de la politique impérialiste de la France sur l'Afrique. Troisièmement, condamner publiquement, politiquement et diplomatiquement le Rwanda pour son agression à la République démocratique du Congo. Quatrièmement, dérompre toute collaboration avec le Rwanda et cela en lui imposant des sanctions politiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires. Cinquièmement, considérer la République démocratique du Congo comme un pays avec lequel elle traitera d'égal à égal et lui éviter tout sentiment paternaliste. Demandons au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de, premièrement, engager la République en tenant compte de la demande populaire manifestée par la jeunesse avisée et engagée que nous sommes. Retirer notre pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et retirer les troupes de l'EAC de l'Est de la République. Nous restons prêts et mobilisés pour barrer la route à tout plan, allant dans le sens d'empirer sur la souveraineté de notre pays. Comme l'a dit le pape François, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser pour le bon citoyen. Je vous remercie. Merci.
En tout cas, Bissot va mouvoir ses points. Les lots qui sont au Koutani Awa, ils ont manifesté ras-le-bol aux jeunesses congolaises à remarquer la position de la France sur Makambo Italie, République démocratique du Congo. Bissot, nous sommes tous au monde que France a joué double jeu. Côté Moko a condamné Makambo Salema Awa, mais côté Moussousou, Yemoutou a financé Rwanda pour garantir l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et le roi Liboso, Ney Macron aye awa, à quoi ça m'oute kaye pour avoir une solution pour la biso. Et ça l'okuta, aye awa pour garantir l'intérêt à France et puis pour bloquer devant la souveraineté au bas africain, bas a besoin, bas sala, bas diriger mboka na bango, bango moko. Vous comprenez? Et c'est ce que passe que tous en a awa. Donc, tout le monde non, n'a sentiment non, paternaliste et puis tout le que non, France a longwa. Ce qui a collaboré, a collaboré dans la République démocratique du Congo, et le roi Liboso a condamné officiellement Kagame, a condamné que non, yemoutou a tiré par ficelle dans l'agression de tous soi, a coupé nani, coopération non, diplomatique, sécuritaire et économique pour que RDC ait vivre dans Kimia. Mais tout le monde que Mokonzi Mboka, président de la République, non, il y a ça comme engagement. Et là, il y a parce que Biso Toza jeunesse, Biso Toza jeunesse engagée et puis jeunesse consciente. Et puis, Asuka, allons-nous la Biso na Katia et l'Oroba Bengi et Asse, à Kata Biso. Merci beaucoup, Mme Mboka. Nous sommes passés à Mme Mboka. Bonjour, je suis en train de vous parler de la jeunesse consciente. Sur tout le monde, nous sommes en Koloba, non arrivé à Macron, à Kinshasa, à Congo. Et d'abord, été donné l'hypocrisie à Macron. Si aujourd'hui nous sommes menacés, si aujourd'hui il y a des morts dans l'Est, à partir Est de la République démocratique du Congo, et grâce à l'Union européenne, avec leur maître Kagam ici en Afrique, accompagné et protégé par Emmanuel Macron. Mais nous sommes Macron a se revenu dans la raison sur le baquet, avant la force intérêt territorial, la République du Congo, ça va respecter. Mais je vous pose la question, monsieur le journaliste. Depuis quand guerre à Est Banda, guerre à Est Banda, na potami, est-il le guerre à Zalina, à Zona, comme il y a un peu de na à Babo, ça m'a peine à guerre. À Zala, tu as pu pas intervenir. Dans un exemple moral typique, guerre à Ukraine, pas même deux ans, l'Union européenne Mobima est condamnée, passive à sanction contre Russie. Et le guerre à Est, plus de 20 ans bientôt, plus de 20 ans. Solution de Mbazouaki. Et au-delà de ça, quel cofinanceur Rwanda a menacé Bissot sur le plan militaire. Il n'est pas le bienvenu. Merci beaucoup. Deko, yangon de kwauti oloba awa. Macron bongo na bangonde zo sala ke batu bakufa na est. Macron azak criminel ndenge kwauti oloba wana message na biso. Union européenne de zo pesa armée rwandaise bongo pwe boma bandeko na biso na est. Yangon de to fo hypocrisie a Macron. Azak criminel, azak hypocrite. Na mboka na biso to lingiete. Soka lingi to lingaye a condamné publiquement armée rwandaise pe a sanctionné Rwanda. Yeah!
criminel, assassin, assassin, criminel, criminel, criminel. Oh, résistant.
messieurs. Bonjour. Je vais vous dire que 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 je Diplomatie au Rwanda, sur lequel on négocie la M23. Ils sont au lobby pour l'activiste en Boston. Pour les négociations, on a M23. Et on a tout ça. Bon, merci. Bon, les gens qui sont à la maison, on est en train de faire des choses. La crainte est que vous soyez mon poteau. Vive Maïe, est-ce que mon ami nous a un liboso et à une herbe, c'est quoi juste? Oui, toi à une herbe parce que nous avons mis ses marques parce que avec le soutenir M23 de Rwanda, nous avons mis ses marques, nous avons mis ses marques, nous avons mis Il y a un monde pour reporter pour nous faire un macron. Dans la canne à ma carte, nous avons mis ses marques à l'eau, à zone à Mokanaye, à Zali, premier producteur à Rwanda, au soutenir Rwanda. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour madame. Monsieur Macron n'est pas le bienvenu. Qu'on vous flatte pas avec des gens qu'on a payés pour qu'ils viennent l'acclamer. Monsieur Macron, Kinshasa n'est pas le bienvenu et il ne le sera jamais jusqu'à ce qu'il va cesser de soutenir Kagame et son allié fiable. Nous ne sommes pas ses enfants pour qu'ils se moquent de nous. On tue nos frères, on tue nos soeurs. Il vient avec des discours. À Kagame, il a donné 22 millions. Au moment, il vient avec des discours. Quel discours nous on va écouter de Monsieur Macron? On sait que le Congo, c'est un État souverain. On sait que le Congo doit se protéger de même. Alors, on ne veut pas d'hypocrisie internationale. On ne veut pas des hypocrisies internationales qui rentrent chez lui et qui cessent de soutenir Kagame pour que la paix soit rétablie en RDC. Mais madame, je vais vous parler de tout ce qu'on a Macron, à Sylvie Pécochocolo. Pour ce discours, madame, vous pouvez en Afrique. Comment vous êtes en train de gueuler Macron? Macron, vous savez, la bango, et ça, vous avez un peu Afrique. Afrique, le lot, on a un peu de vie, on a les sous, on a mal au bas, la bango, t'es. À ce moment-là, il y a un peu de vie, on 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 a un souci. On est sur les canaux est. Nous avons soutenu, nous avons simba Kagame na maboko. Atika Kagame, atika hypocrisie. On peut écouter là, là, mon gouna, la radio. N'attends pas, on peut s'en aller lipa. Lipa, on a bolamba qui en Europe. Et ça, lipa empoisonné. Alors qu'il arrête de mentir l'Afrique. Atika Koko Sabiso. Ayam Aza, Oyambi Malam, Tena Katina Kinshasa. Merci beaucoup, madame. Sacré soit les témoins, tout sacré délivre en terre, c'est moi.
criminel. Docteur, il y a un discours Emmanuel Macron, mais quand même, il a bien parlé. Il y a un discours vis-à-vis. Chers amis, nous connaissons ce qui se passe, en coulisses. Nous savons que Macron vient de financer 28 millions de dollars chez le Rwanda pour financer l'armée rwandaise à bien évoluer. Alors, c'est l'armée rwandaise qui finance en son tour les M23. Les M23 qui tuent nos frères à l'est du pays. Alors, c'est l'hypocrisie que le France est en train de faire chez nous ici. C'est ça l'hypocrisie que nous dénonçons de la communauté internationale. C'est ça l'hypocrisie que nous dénonçons. Alors, tant qu'il finance l'armée rwandaise, il ne sera jamais le bienvenu dans notre pays. Et malheureusement, on constate qu'il y a une complicité, même à l'intérieur de notre pays. Et nous, étant que les jeunes, nous ne laisserons jamais manipuler par ces gens. Alors, on va juste là où Macron Rosala, on a retenu les moulins. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Excellence. Bonjour monsieur. Monsieur Gomona, qu'est-ce qui ne va pas ici? Oui, aujourd'hui c'est un jour très décisif pour la République démocratique du Congo. Il y a l'arrivée de Macron, le président français. Il arrive aujourd'hui à Kinshasa, alors que la France soutient les Rwandais. Les Rwandais sont en train d'agresser la République démocratique du Congo. Nous les mettons tous les deux pays dans le même gibecier. Nous disons non à l'arrivée du criminel et de l'assassin Macron en République démocratique du Congo. Nous avons suivi le discours d'Emmanuel Macron en français, il a bien parlé pour la République. Comment vient-on de répéter ce contre lui? C'est une hypocrisie internationale. Il est en train de porter des coups bas en République démocratique du Congo, mais sur la face du monde, il fait comme s'il est pour la République démocratique du Congo, alors qu'il n'en est pas question. Cela veut dire l'arrivée de Macron, ça ne va rien changer? L'arrivée de Macron, peut-être, c'est pour fléchir la position du président de la République, de négocier avec les Rwandais, alors que nous, les peuples congolais, nous disons au président de la République, plus question de négocier avec les Rwandais, à la guerre comme à la guerre. Nos populations sont en train de mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est grâce à Paul Kagame, l'assassin continental. Un mot pour les phares d'essai, il est en train de combattre. Nous sommes derrière nos phares d'essai. Nous les soutenons jusqu'à la fin, jusqu'au sacrifice suprême. Nous serons toujours derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Car nous constituons leur base arrière. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur, ça va? Je pense que vous êtes ici aujourd'hui très monté. Hein? Nous sommes montés, c'est pas pour rien. Nous sommes là pour protester de l'arrivée de ces criminels. Vous voyez parmi nos messages, nous avons énuméré Kagame égale Macron. Pourquoi Kagame égale Macron? Macron est celui qui a financé et qui continue à financer l'armée rwandaise. Dernièrement, l'armée rwandaise a été financée à hauteur de 22 millions de francs, de dollars. Alors, comment accepter que les gens meurent à l'Est? Les gens meurent à l'Est, Macron est calme, et puis c'est lui qui finance ceux qui nous tuent, et on nous demande d'être accueillants envers ce monsieur. On dit que nous ne sommes pas obligés de l'accueillir, c'est pourquoi nous disons Macron n'est pas le bienvenu ici chez nous. Merci beaucoup. On dirait qu'ici à Inerbe. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connectez qu'il y a noir là et un rouge dans la Yelongi? Cela veut dire Makila? Banda la rouge, la qui s'appelle Makila ou Macron, azo financé pour la Obama. Pour voler la S de Mboka. Pour voler la télé, pour voler la rouge. Aye, Makila, ton lembi, ton bomba, ya biso. Oh, azo continue pour mato, la qui s'appelle que biso, azo continue pour mato, la qui s'appelle. Nous en avons tout, la qui s'appelle Mboka, la biso, ton lingui été. Aye, la Mboka, la biso, te, aye, te, pas te, ye. Aza porté malheur en Mboka, la biso. Yé moutala pour financer, parce que la biso, azo pouf, la S de Yé, ni azo parrain. Bonjour monsieur. Bonjour papa. On ne l'a pas eu qu'on révolté, mais qu'on a eu vu d'aller à Macron. Politique n'a pas beau. À part la guerre mondiale, à
Merci beaucoup. Bonjour, André Olanga. Je suis en Swahili. Je suis partout dans le monde entier. Je suis partout dans le monde entier et maintenant je suis en Swahili aussi. Si je suis en tout cas parlé, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire Mwenyeye njo financier kwa magere zote ziko zinapitikana kwetu ya Kongo. Bandugu yetu viko wanakufa Masisi, bandugu yetu viko wanakufa Ruchuru, bandugu yetu viko wanakufa Kishishe. Ile yote ni financier wake ni Emmanuel Macron. Njo la soutenir armée ya Rwanda jusqu'à massacre bandugu yetu kwetu. Alors leo tunaita peuple congolais yote kukatala partout mu territoire ya Kongo. Tunakatala moja moja kama wakongomani afike hapa kwetu mwinchi yetu. Asante. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui ne va pas ici à la 1h ici avec les canicules comme ça? Attendre le président Macron qui n'est pas le bienvenu chez nous. Ah. C'est que depuis une semaine, nous sommes en train de mobiliser la population pour réserver un accueil immédiat au président français qui est le soutien numéro 1 des Rwandais qui sont en train de massacrer nos frères à l'Est. Et voilà pourquoi on est ici devant l'UNRB. Il sera là bientôt à 12h et on veut qu'il comprenne que les Congolais, malgré il a forcé de venir, et il est venu comme un Nicodème, comme un voleur, il vient la nuit parce qu'il savait qu'il allait avoir le châtiment du peuple congolais. Et voilà pourquoi on est là pour lui montrer que malgré il est venu la nuit, il doit comprendre que les Congolais n'ont pas besoin de sa présence ici, de son hypocrisie. Mais nous avons suivi sur le discours d'Emmanuel Macron en France, mais il avait bien parlé pour l'Afrique et aussi pour la République du Congo. Ça, c'est l'hypocrisie. Macron, après l'attaque de Kishishe, il a demandé à l'Union européenne de financer l'armée rwandaise par 22 millions d'euros. Et aujourd'hui, nos frères sont en train de mourir à Ruchuru, à Kichanga et partout ailleurs là. C'est à cause de l'appui français au gouvernement rwandais. Et nous disons non à un président qui a fait couler le sang de nos frères dans l'est du pays. Donc j'ai fait ça. Et maintenant je suis la population de Goma, qui sont à Goma. Qu'est-ce que la population de Goma peut retenir cette éducation? Bon, la population de Goma s'est aussi soulevée. Ils ont fait un sit-in le jeudi. Voilà pourquoi on dit que c'est une mobilisation populaire. C'est toute la population du Congo qui dit non à l'arrivée du président Macron. Le peuple congolais s'élève et dit non à des accords hypocrites. Nous sommes ici aussi pour dire au président Tshisekedi de mettre fin aux opérations militaires de l'EAC au nord privé. Et aussi sortir notre pays de cette communauté-là hypocrite des États économiques de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup, Excellence. No, no.
Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Thank you.
J'entends de quoi? Hein? J'entends de quoi? Policier? Oui. Junior! Junior! Viens! Qu'est-ce que vous réclamez? Demandez, il m'a encore comme ça. Suivez qu'il puisse être reçu comme un frère chez nous. Okay. Il doit d'abord commencer à dire à M. Paul Kagame de faire retirer ce soldat à l'est de la République de Moitié du Congo. Chaque jour, il y a nos frères qui sont tués à Bounagane, qui sont tués à Routchou, à Massis. Et maintenant, Macron veut venir ici calmement. C'est anormal. Nous faisons une norme.